Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto, comme je l'ai appelé So British, parce que je trouve que ça fait bien, bien anglais tout ça. Euh, la forme, le point, je sais pas. Ça me fait penser vraiment à quelque chose de très anglais. Donc c'est une cape euh, que vous allez pouvoir adapter à votre taille aussi large que vous voulez avec autant de rangs que vous voulez le point est ultra facile à faire mais comme vous pouvez le voir moi je trouve que c'est hyper beau en longueur parce que c'est un grand rectangle en fait que j'ai crocheté dans ce sens-là voilà comme ça on a les retour mais qui du coup se positionne dans l'autre sens et je trouve que ça donne vraiment un charme euh, à cette jolie cape. Donc vous pouvez la faire euh, couleur unie, multicolore, c'est vous qui allez décider. Mettre un bouton ou une broche, c'est aussi vous qui allez décider. Euh, que vous dire de plus euh, Pour, pour celui-ci, il pèse 215 grammes. Voilà. Alors moi, je vais vous montrer comment il me va, parce que je l'ai essayé forcément. En fait, je fais un 42-44 au niveau du haut, de la poitrine, etc. Donc il me va comme ça, vraiment comme ça. Si vous voulez que ce soit beaucoup plus rapproché, vous allez faire beaucoup plus de rangs. Pour ma part, lorsque j'ai travaillé mon rectangle, j'ai fait 69 rangs au total. Donc ça vous donne une petite idée euh, de la largeur que ça, que ça donne. Parce qu'on va réunir le début avec la fin. Voilà, voilà. On va faire le tour des épaules, en fait, tout simplement. Après, j'ai fait un petit contour euh, en bride et après en point élastique sur trois, trois, quatre tours. Donc, euh, c'est vous qui allez décider aussi les, les finitions, comment vous allez les, les vouloir. En bas, j'ai fait aucune finition. J'ai laissé vraiment brute, naturelle. J'ai même pas fait un tour de maille série. J'ai laissé comme c'était, vraiment. Pour un rendu vraiment nature donc crochet numéro 4 euh, c'est un multiple de 4 plus 1 il est hyper facile vous allez voir je vais vous montrer donc je vais prendre du fil et euh, en fait le nombre de mailles chaînettes que vous allez faire au début très simple c'est ce qui va vous donner la hauteur totale par exemple moi j'ai fait 68 mailles chaînettes plus 1 plus une, ça me donne 69. Et c'est ce qui me donne la hauteur totale qui sera positionnée sur vos épaules, sur le long de votre buste. Tout simplement. Donc vous allez déterminer, vous pouvez peut-être en faire moins si vous le voulez moins long, plus si vous le voulez plus long, euh, c'est vous qui allez décider. Pour ma part, j'avais fait, pour celui-ci, 69 mailles chaînettes. Donc là, je vais faire un petit échantillon. Donc un multiple de 4. C'est parti. Je vais juste vous montrer le point. Après, c'est toujours pareil. C'est répétitif. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est impossible de se tromper. Donc, les débutantes, vous allez pouvoir vous éclater à le faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai mon multiple de 4. Je rajoute une maille. Parce que pour ce... Pour ce motif-là, on rajoute une maille. Tout simplement, c'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi. On exécute, on fait euh, comme on nous dit, et puis euh, moi, je ne me pose pas de questions. On me dit que c'est 4 plus 1, je fais 4 plus 1. Donc au total, j'ai 13 mailles. Vous, forcément, vous allez en avoir beaucoup plus. C'est juste pour vous donner un aperçu. Dans la quatrième, à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Dans cette quatrième-là, vous rentrez à l'intérieur, vous faites une bride. Donc ça nous en fait deux, si vous voyez bien. On a les trois mailles du départ, lesquelles on, dans lesquelles nous n'avons pas travaillé. La bride, à côté, une troisième bride. Comme ceci. Une maille de séparation. On saute la maille qui suit, on vient dans la prochaine, et on fait trois brides d'affilée. C'est-à-dire une bride sur les trois mailles qui suivent comme ceci. Une maille de séparation, je saute une maille et dans les trois dernières mailles que j'ai là, trois brides. Donc là, c'est notre rang de préparation. Ensuite, le rang numéro 2, 3, 4, indéfini, ça sera toujours le même à faire. Voilà, ça me forme ce petit motif là. Mais vous voyez... Sur plusieurs rangées, ce que ça donne, très très beau. On tourne le travail. Donc, on rentre dans la première, trois mailles en l'air, dans la bride suivante, une bride, dans la bride suivante, encore une bride. Là, nous avons une maille en l'air, nous faisons une maille en l'air. Là, nous avons trois brides, nous faisons une bride sur chacune. Tout simplement, ce rang, vous allez le répéter à l'infini jusqu'à obtenir tout le tour de votre, euh, de vos épaules en fait, voire plus, Puisqu'après, après vous allez quand même réussir à diminuer le col, le haut. Donc, vous inquiétez pas si vous avez euh, une taille plus grande que 42, 44. Si vous faites par exemple du 46, 48, continuez les rangs. Vous faites des rangs, des rangs, c'est un grand rectangle, tout simplement. Donc je continue, chaque fois que je vois une bride, je fais une bride. Chaque fois que je vois une maille de séparation, je fais une maille de séparation. C'est hyper simple. Alors j'ai voulu le faire uni pour que ça change un petit peu, parce qu'en général c'est vrai je mets beaucoup de couleurs, j'adore les couleurs, mais là je voulais le faire uni. Donc on tourne et on répète trois mailles en l'air, une bride sur chaque bride très simple une maille de séparation une bride sur chaque bride voyez vraiment débutant débutante vous pouvez le faire faire des cadeaux Noël approche vous allez voir alors tout dépend de la taille que vous allez faire. Moi, ça pèse 215 grammes. Si vous faites plus de rangs, forcément, vous allez utiliser plus de matière. Si vous faites pour un enfant, vous allez utiliser beaucoup moins de matière parce que déjà la hauteur, elle sera plus petite. Donc ça vous fait économiser. Et le nombre de rangs que vous allez faire, euh, il sera beaucoup moins large que pour un adulte. Vous pouvez vraiment j'ai pas essayé de faire pour enfant parce que j'ai pas d'enfant sous la main vous le savez mais je vous dis euh, avec 100 grammes vous pouvez en faire un pour enfant facile donc on continue on va faire un nombre de rangs euh, dont on a besoin qui fassent le tour de nos épaules de façon à bien se positionner après c'est vous qui allez ajuster moi, j'utilise le crochet 4. J'ai ma façon de crocheter à moi. Peut-être que vous, vous crochetez plus serré. Peut-être que vous crochetez plus lâche. Si ça se trouve, vous allez devoir faire plus de mailles ou moins de mailles que moi. On a toute une façon différente de, euh, de crocheter nos, euh, nos, ben, nos ouvrages, hein, tout simplement. Voilà, dans la dernière maille ici, je fais une bride. Comme ceci, et on va monter ainsi de suite. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. On va monter, 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 monter jusqu'à obtenir un rectangle qui soit suffisamment long pour faire le tour de vos épaules. Tout simplement. Vous avez vu la photo sur le mannequin, il n'y a pas à se poser de questions. Donc pour ma part, je vous ai dit, j'ai fait 69 mailles. Donc 68 multiple de 4 plus 1. J'ai travaillé au total la, la longueur de mon rectangle sur 69 francs. J'ai même pas fait exprès de faire... Euh, c'est vraiment pas exprès, c'est le pur hasard. 69 mailles, j'ai fait 69 francs. Tout simplement. Et ça m'a donné ceci. Un grand rectangle que après, là on imagine qu'il est beaucoup plus grand. On va réunir le début avec la fin. Ici on mettra un bouton. Forcément, là c'est tout petit, vous pouvez, ça vous donne pas d'idée. Donc ici vous, mettez, vous accrocherez votre bouton. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire euh, le tour en haut, parce que forcément on va tomber sur, je vous montre, on tombe sur les brides qui sont prises sur le côté. Alors tout simplement, je vous montre, j'ai commencé par faire trois mailles en l'air. J'ai pas travaillé à l'intérieur des brides. Comme ça, ça me réduit considérablement le contour. J'ai travaillé ici, dans ce petit espace. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ici, nous avons un petit espace entre brides et brides. J'ai travaillé ici, à l'intérieur, une bride. On continue. L'espace là, on le voit bien. Vous voyez, là, j'ai une bride à droite, une bride à gauche. Je travaille dans l'espace du milieu. Ça, c'est pour le col. Une bride. Ainsi de suite. Entre bride et bride, on a un tout petit espace. On rentre à l'intérieur, on fait notre bride. Une bride. Et sur la dernière, la maille en fait, la première ici, une bride. Comme ceci. Donc ça nous réduit considérablement le cou le col pour le tour de cou en fait. Ensuite, j'ai tourné mon travail. J'ai refait trois mailles en l'air et là, j'ai commencé à faire le point élastique. Alors, comment on travaille le point élastique On va venir faire une bride en relief par l'avant. Au lieu de rentrer dans la maille, on enveloppe la bride carrément, on rentre dessous, on fait une bride une bride en relief par l'arrière donc au lieu de rentrer de cette façon je passe mon crochet à l'arrière comme ceci et je fais ma bride et j'alterne en relief par l'avant je passe sous la bride je travaille pas dans les mailles je passe sous les sous les points carrément ma bride en relief par l'avant et la dernière ben, je rentre comme je peux mais par l'arrière tout simplement et on continue trois mailles en l'air lorsque vous avez voyez la bride là elle est à l'arrière là elle est à l'avant là elle est à l'arrière et ben je la travaille à l'arrière comme ceci elle se trouve à l'avant je passe devant elle est à l'arrière je passe à l'arrière j'ai fait ça sur trois quatre tours je ne sais plus j'ai pas compté et là je passe dessous directement comme ceci donc vous voyez ça va nous réduire vraiment le col il va vraiment être réduit bon là j'ai fait euh, j'ai travaillé quatre mailles en l'air parce que mon bouton est très gros de façon à pouvoir le faire passer à l'intérieur tout simplement Vous voyez c'est pas compliqué donc multiple de 4 plus 1 vous allez travailler en aller-retour droit on travaille droit là ça se travaille que c'est que du droit on va faire un grand rectangle une fois que vous avez la largeur totale qui passe sur vos épaules qui tient bien sur les épaules vous pouvez vous arrêter et après vous faites votre col tout simplement vous mettez un petit bouton si vous voulez que ce soit vraiment serré, vous faites beaucoup plus de rang que moi. Moi, je vous dis, quand je le mets sur moi, ça me donne à peu près ça. L'ouverture, elle est à peu près comme ça. Voilà. Donc j'espère que ce, cette jolie cape vous aura plu, que euh, ce point aussi vous aura plu. Vous avez vu, c'est hyper facile, très répétitif. 69 mailles sur 69 rangs. C'est tout, pas plus, pas de finition, hormis le col en haut pour réduire la taille, forcément, de façon à ce que ça tienne bien au niveau euh, bah, des clavicules, vous voyez? Et sinon, pas aucune finition sur le bas. J'aurais pu en faire, mais je me suis dit non, je vais le laisser très naturellement de cette façon. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Euh, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. En attendant, moi, je vous fais euh, des bisous. Et puis, euh, ah oui, j'ai com commencé un projet, enfin, j'ai presque terminé, mais je suis en panne de laine noire. Je n'ai plus du tout de noir. J'ai dû démonter des ouvrages que j'avais faits pour récupérer déjà euh, de la pelote. Euh, il va s'agir d'un gilet qu'on va faire en une seule pièce, il y a uniquement les manches que l'on rajoute. Et là, je suis en panne pour les manches. Donc j'ai commencé une première manche, mais j'ai pas assez pour finir la deuxième. Vous allez voir, le point est magnifique. Il est super beau. Euh, ça fait un peu péruvien, lat latino, espagnol. C'est vraiment super joli. Donc je, vais, je vous mettrai une photo pour vous montrer la, la pièce en elle-même. Parce que j'ai pris en photo la pièce une fois que je l'ai terminée. Et après, je vous montrerai, euh, bah, je vous ferai le tuto, hein, tout simplement, quand, euh, quand j'aurai récupéré, quand j'aurai acheté de la, de la laine noire. Voilà, donc je vous dis à plus tard les filles et des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.